Dans la plupart des exercices, en OG, on vous donnera la valeur des distances focales. Distance focale objet entre H et F, noté petit f, et distance focale image entre H' et F', noté petit F'. Souvent, ce sera le cas, mais parfois, on ne vous les donnera pas. Ces données-là seront indiquées indirectement dans une autre valeur. Elles seront cachées dans la vergence, notée D, parfois appelée puissance en AV, PDM, mais originellement, cette chose-là, D, ça s'appelle la vergence. La vergence, ça contient les focales, puisque les formules sont les suivantes. D égale moins n sur f, avec n, l'indice de réfraction du milieu d'entrée, c'est-à-dire l'indice pour les rayons incidents. Ou alors, une autre formule qui fonctionne pour la calculer, c'est d égale n' sur f', avec n', l'indice de réfraction du milieu de sortie, l'indice pour les rayons émergents. Ce qu'il y a de particulier avec ces formules et avec la vergence, c'est que son unité, c'est la dioptrie, notée delta, la lettre grecque delta. Et les dioptries, c'est complètement incompatible avec les millimètres. Donc il faut faire toujours très attention dans les exercices et mettre des 10-3, vous verrez, dans les exercices. Donc imaginons qu'on vous donne cette vergence. Comment faire pour retrouver les valeurs de focale f et ou f'? Si par exemple vous voulez retrouver f' égale, la formule n'est pas du tout écrite dans le bon sens, il va falloir la manipuler. F' pour l'instant est en dénominateur, donc ça, c'est pas bon, il va falloir le remonter. Pour ça, on va multiplier par f' à gauche et à droite. Ainsi, on va pouvoir simplifier par f'. Il ne va plus rester de f' à droite. Il va rester d fois f' égale n'. C'est presque bon. On a bien f' qui est là où on l'attendait. Mais il y a encore d. Il faut faire l'opération inverse. Diviser par d à gauche et à droite pour pouvoir simplifier par d. Et ainsi, ne plus avoir que f' égale à n' sur d. À partir de ce moment-là, on peut faire le calcul, mais pour avoir le résultat directement en millimètres de f', attention, d étant en dioptrie, il faut lui rajouter un petit 10-3 sur la calculatrice. Regardons aussi pour la distance focale objet, f égale, ça ressemble fortement, hein. La formule n'est pas adaptée au début, il faut la manipuler, on multiplie par f à gauche et à droite, ce qui nous permet de simplifier par f. Il reste d fois f à gauche égale moins n. Il nous faut encore diviser par d à gauche et à droite pour pouvoir simplifier par d et ne plus l'avoir à gauche. Il va donc rester f égale moins n sur d. Pour avoir directement le résultat en millimètres, il faut accoler un petit x10-3 à la vergence. Voilà comment vous pouvez retrouver vos valeurs de f et ou f' à partir de la vergence.